dixième approche. Wow. Ciao les gars, alors là c'est un Sinus d'Aéronaut que j'ai acheté 21 balles avec 3 cerveaux. Et j'ai tunagé avec un moteur Outrunner Johnny G, hein, ce qui est le plus simple. Des petites hélices 10 par 8. Et puis on va voir, ça va pas pousser grand chose. Hein. Mais là il est en 3S avec un accu de M. Et puis après on mettra sûrement en 4S avec un bon accu. Là ça va. Ça va chier des pétons comme on dit. Et puis la radio qui nous dit qu'il y a une perte de signal récepteur. Mais. C'est pas qu'elle sonne, mais d'après PA c'est tout bon. Ah bah oui ça sonne, rien. Ouais, ça a l'air de marcher. Ok. Non, c'est plein gaz ça? Oui. C'est quoi cette histoire? Ça fait de la peine. Bon, c'est bon, hein? C'est dommage que. Qu'il monte pas, quoi. Ah ouais, oh purée, il vient droit sur nous, les gars. Vous restez pas trop haut, je pense, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que lui, il va pas lécher non plus à 10 mètres. Oh le sac! C'est surtout Gaëtan qui a des problèmes. Non, je suis assez bon. Ah non, c'est bon. Ah, ouais. Oh, c'est beau! C'est espèce d'hélice sur le dos. C'est le pilote. Ah, j'ai envie de regarder. Passage moteur allumé. Ça fait bizarre avec le moteur. Tu me dis que c'est bon là, je vois bien. Tu vas voler, Père? Ouais. Ok. T'es prête? Il faut filmer ça. Il est en 4 sens, hein. Il fait des tranchées. Ouais, faut y mettre des gants. Ah ouais, faut pas commencer à faire du mi-gaz avec ça. Hein. Parce que déjà, gaz à fond, c'est triste. C'est déjà des quarts de gaz. Ah ouais. Le meilleur bon, je suis étonné, pour le moment il est encore en l'air quoi. Non mais ça fait un moment qu'il a pas revolé quoi. Il prend direct du F5B, B. Alors, pic, gaz. Hey, joli là. Bravo, sinon. J'ai volé.